À l'étranger, Donald Trump prend des sanctions contre la Mauritanie. Fini les privilèges commerciaux avec les États-Unis. Le président américain invoque le travail forcé et l'esclavage qui gangrène son partenaire africain. Le gouvernement mauritanien lui dénonce une trahison. On part à Washington où l'on retrouve notre correspondante Sonia Dridi. Sonia, pourquoi cette décision si soudaine de l'administration Donald Trump ? Alors Donald Trump a dit qu'il retirait la Mauritanie de son statut de partenaire commercial privilégié en Afrique à cause des pratiques de travail forcé qui persistent. Dans un communiqué, Washington a notamment déclaré que la Mauritanie n'avait pas fait assez de progrès dans la lutte contre le travail forcé, que son gouvernement continuait de restreindre la capacité de la société civile à s'exprimer sur les questions d'esclavage. Selon l'administration Trump, ce retrait a été décidé à l'occasion de la révision annuelle du programme AGOA. C'est un programme sur les opportunités de développement et la croissance en Afrique. Alors on sait bien que le président américain, depuis le début de sa présidence, tente de retirer les États-Unis de nombreuses organisations internationales, ou en tout cas d'être moins impliqué, et considérant que l'Amérique doit se recentrer sur ses priorités. Et par contre, cette décision n'est qu'une suspension. La Mauritanie a la possibilité de revenir dans ce programme, comme le Swaziland et la Gambie l'ont par exemple fait l'an dernier, si elle affiche des progrès réels en matière de droits de l'homme. Et quel est finalement le poids politique de ces sanctions américaines à l'encontre de la Mauritanie ? Alors c'est symboliquement assez fort, mais surtout pour la Mauritanie, hein, qui n'a pas bien reçu cette nouvelle. Mais finalement, cette décision a peu de poids politique et économique. Les liens commerciaux entre les deux pays sont assez négligeables. Et puis, en fait, les relations entre Washington et Nouakchott étaient déjà plutôt tendues depuis quelques temps. Les États-Unis dénoncent régulièrement des emprisonnements de militants politiques. Et puis, récemment, il y a eu une délégation d'activistes américains qui avait été invitée par l'ONG SOS Esclaves Mauritanie, qui a été refoulée à son arrivée à Nouakchott alors qu'il y avait une concertation au préalable avec le gouvernement de Mauritanie. Donc cela avait déjà aggravé des relations assez fragiles entre les deux gouvernements, et ça a aussi peut-être poussé les États-Unis à prendre cette décision. Sonia Dridi en direct de Washington pour TV5 Monde, merci. On reste aux États-Unis, où le Conseil de sécurité de l'ONU s'apprête inversement à lever les sanctions contre l'Érythrée, décision dans l'impulsion du récent